Le palais Maramonte est l'expression architecturale du pouvoir féodal qui a gouverné le territoire de Corsi pendant des siècles. Le noyau le plus ancien de la structure a été édifié par les barons Maramonte vers les milieux du XVe siècle. Au cours des siècles, les formes architecturales et les salles du palais ont subi nombreuses modifications selon les goûts artistiques des familles féodaux qui se sont succédées. Les derniers remaniements remontent au XIXe siècle, notamment avec la réalisation de la gracieuse loge, caractérisée par des sobres colonnes en ordre dorique. Très importante est la colonne angulaire, d'élégante facture du XVIe siècle, placée sur les côtés gauches de la façade principale du palais. Le palais est le siège de la municipalité de Corsi depuis 1959. Et il abrite les bureaux municipaux et la caserne de la police municipale. L'inspiration artistique est exaltée dans l'antichambre du palais. Les voûtes et les espaces périmétriques sont décorés par des riches dessins réalisés avec bon goût stylistique et héritage de l'importante histoire féodale de Corsi.